الذين آتيناهم الكتاب يدعونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bienvenue donc dans ce cours un jour un juz et aujourd'hui بإذن الله سبحانه وتعالى nous essaierons de traiter les quelques thématiques qui sont dans le sixième juz du Coran ce juz là qui commence par la parole d'Allah Ce sixième djouz là, eh bien, il commence du verset 148 du chapitre An-Nisa jusqu'au verset 82 de la Sourat Al-Ma'ida, la table servie. 148 An-Nisa jusqu'au 82 de Al-Ma'ida. À la fin de la Sourat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala parle notamment des peuples anciens et des gens du livre. On y retrouve aussi l'interdiction de la vulgarité, la réfutation de ceux qui disent que Isa wassalam, euh, aurait été tué, car en fait nous on sait maintenant qu'il a été élevé dans les cieux par Allah subhanahu wa ta'ala. On y retrouve aussi l'interdiction de l'extrémisme en islam et en toute fin, de cette sourate An-Nisaa, quelques précisions sur l'héritage du Kalala. Kalala, c'est celui qui meurt sans laisser d'héritier proche. Après le chapitre an comme on l'a dit, c'est Al-Ma'ida qui commence. Al-Ma'ida commence par l'injonction à respecter nos engagements. Ce chapitre-là, tourne autour de la thématique du respect des ordres divins. La suite, quelque part, n'est que commentaire et explication de cette règle-là, le respect des ordres divins. On a plusieurs règles juridiques qui y sont exposées, par exemple. Après avoir mis le ihram pendant le hajj, pendant la umrah, en état de sacralisation, il est interdit de chasser l'animal même halal. Allah subhanahu wa taala nous expose que parmi les animaux halal, ceux qui sont autorisés à la consommation sont les animaux qui auront été égorgés au nom d'Allah. On a dit bismillah. Les cadavres sont interdits. La viande de porc est interdite. Les animaux égorgés au nom autre qu'Allah sont interdits. Les animaux étranglés sont interdits. Ou encore, les animaux qui seraient morts à la suite de leurs blessures sont aussi interdits. Allah subhanahu wa nous parle aussi de ces habitudes de ces Arabes d'antan, de regarder leur avenir à travers des jeux de voyance, des superstitions, etc. Tout cela est strictement interdit, dans la mesure où Allah est le seul qui décide de tout, du bien ou du mal. Les gens doivent avoir foi, iman, croyance dans leur din et Allah subhanahu wa taala il a fait de ce din-là, il a fait de cet islam-là un mode de vie complet et entier. Allah il nous a donné un mode de vie complet et entier. C'est pour cela qu'il a été demandé aux gens de faire très attention et de respecter les règles d'Allah en privilégiant le halal, le licite, et en rejetant le haram, l'illicite. Dans ce chapitre al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala énonce aussi des règles ayant trait à la politique et au social. Il traite aussi du pèlerinage, comme on vient de le voir, du hajj, du respect des bases de la religion et des limites de, du licite et, du, et de l'illicite. La relation des musulmans avec les gens du livre Ehlul Kitab est définie, notamment dans le domaine du mariage. Enfin, il y a quelques règles concernant le wudu, le roussel, le tayammum, donc les, les puretés, les punitions pour les rebelles, les voleurs, ceux qui sèment la corruption, etc., etc., sont exposées. Et les boissons enivrantes, le vin, etc., l'alcool, et les jeux de hasard sont interdits, comme on l'a vu. Dans le domaine des punitions, est expliqué le cas de ceux qui rompent leur, sang, leur serment. On nous rappelle aussi quelques règles concernant le témoignage. Les hommes et les femmes qui seront coupables de vol en guise de punition verront leurs mains coupées. Allah subhanahu wa nous rappelle de bien choisir les gens à qui on fait confiance parce que cela peut être un acte répréhensible de faire confiance à n'importe qui, à des personnes qui ont un but malsain ou des personnes qui sont sous l'emprise du machiavélisme. Le dogme de la Trinité, Tathlith, en laquelle croient les chrétiens, est considéré comme kufr en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse, au prophète d'Allah et lui demande de ne pas s'attrister du sort de l'infidélité et du sort des, des, des incroyants. En effet, pour beaucoup d'entre eux, dans leur cœur, ils n'ont que la haine contre les musulmans et seront toujours leurs ennemis. Les injustes n'auront aucun recours le jour du jugement et le paradis sera interdit aux incroyants. Cependant, les peuples d'avant, qui avaient une foi saine et croyaient en Allah et au jour du jugement, eux auront le succès connaîtront le succès sont enfin mentionnés les banos israël et leur refus à l'époque d'entrer dans baitul Maqdis. l'histoire des deux fils de adam alayhi salam aussi est succinctement mentionnée et l'interdiction du meurtre ainsi que la punition du meurtrier voilà donc de manière très synthétique les principales thématiques traitées dans ce sixième djouz du Coran. L'objectif pour nous est de le lire au minimum une fois, le sixième djouz, aujourd'hui, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa nous accorde le tawfiq et qu'Allah nous donne l'ikhlas. Qu'Allah nous accorde l'amour du Coran, la relation avec le Coran et la pratique du Coran. كالله نكون بعميل أهل القرآن آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته